Le TCO, ça veut dire Total Cost of Ownership. C'est une méthodologie qui consiste à regarder tout ce que coûte l'achat d'un produit donné. Et en réalité, ça va bien au-delà du prix du produit. On va comparer d'une certaine façon ce qu'on appelle le prix facial. J'ai payé ce produit à tel prix avec le coût global, c'est-à-dire tous les coûts cachés qui sont associés à l'acquisition du produit. Et dans ces coûts cachés, ben vous avez plein de choses. Vous avez le transport, vous avez les stocks, vous avez le risque de non-qualité, vous avez le risque de perte en cours de route, vous avez le risque de retard, de blocage aux douanes, que sais-je encore. Vous avez un nombre de coûts cachés qui est très très important, qui fait que entre le prix facial et le coût global, vous pouvez avoir, ça n'est pas rare, pas toujours heureusement, un rapport de 1 à 2. Donc vous pouvez avoir l'impression que vous faites une bonne affaire en achetant 30% moins cher en Chine, alors que la réalité, c'est que ça va vous coûter 20% plus cher. Du coup, si vous mettez en place une démarche TCO, c'est-à-dire un système de calcul dans lequel vous allez identifier tous ces coûts cachés et les mesurer, eh bien, vous allez regarder ce que vous achetez au loin d'une façon totalement différente. Et donc, vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées d'acheter en local parce que c'est globalement plus intéressant, même si le prix est plus élevé.